Salut à tous, c'est Thomas, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve sur Need for Speed Rivals pour la suite de l'aventure. On est en carrière police. J'ai pris une Lamborghini Gallardo LP560 et on doit faire 60 000 en une session, 2 super poursuites, 3 coups de bélier et 10 pilotes pour les percuter. Donc, on va déjà faire des super poursuites et on essaiera de tout faire d'un coup. Ce sera plus simple. Alors, c'est du difficile, on va éviter. Là aussi, on va déjà faire quelque chose un peu plus simple pour commencer. Voilà. Les démolisseurs. J'espère que vous allez bien. Désolé s'il n'y a pas vraiment d'activité. C'est comme je vous l'ai dit et j'ai envoyé sur la communauté. Et dans les précédentes vidéos, entre le 25 mars et le 5 avril, je serai pas mal occupé. Donc voilà. Allez, c'est parti. La raison, c'est que j'ai le concours et c'est 3 épreuves qui se passent entre ces 10 jours. C'est d'ici peu de temps. La première étant le sport, donc là-dessus, ça va bien se passer. Et la deuxième et troisième, bah, c'est l'oral. Alors, je faisais la course avec eux alors qu'il faut que je les démolisse. Le gars qui se croit au pilote alors qu'il est flic. Non, non, tout va bien. Ça a pas fait le coup de bélier? Zut. Allez. Ok, c'est touché. J'ai trompé de chemin, mais c'est pas grave. Elle est super bien, la petite Lambo, là. Elle est fluide. Elle est pas bout en train. Ok, 8 km. Je reste concentré. Oh là, oh là là. Alors, on est encore un suspect derrière nous, mais ça, c'est pas grave. J'ai loupé mon CES. Allez, vite, dépêche-toi. Ok, ça s'est touché. Ah. Qu'est-ce qu'il nous a foutu? Qu'est-ce qu'ils font? Ah, attendez, est-ce que j'ai un problème avec la manette là aussi? Ils sont complètement perchés ces types là. Ok, coup de bélier, c'est terminé. Lui, on va lui faire un gros rentre dedans. Boum, explosé. C'est bon, lui on l'a complètement démonte. Par contre j'ai plus de dispositif. Normalement il y a un parking dans pas longtemps. Ah, faut pas tourner du bon côté, tant pis. Allez, allez, allez. Ok. On va faire un petit barrage mobile. Loupé. Ah, j'ai au moins tenté. Hein. On a moins tenté, on débute. Hein. Allez, 3 km. Par contre, il a piqué une pointe. Allez, allez, allez. Faudrait que je fasse une vidéo GTA aussi pour que je vous parle de quelques trucs qui s'est passé récemment. Bah voilà. C'est terminé, comme il dit. Ah ouais, mais c'est trop loin les épreuves. C'est un peu ça le problème de... On va faire aux arrêts. Il me semble qu'on l'a déjà fait, mais c'est pas grave. Le but étant de faire 60 000 dans une session, donc si je rentre au garage, c'est annulé.
Allez, on va aller faire la deuxième super poursuite. Comme ça, si on arrive à percuter au moins 5 fois, bah, c'est déjà terminé. Alors, il y a un collègue devant nous. Et on va aller recharger le dispositif, hein, faire un petit tour à la station service. Voilà. Effectivement, on l'a déjà fait, c'est pas grave. Alors, c'est où c'est ça? C'est ça, c'est bien ça. Ah oui, j'avais mis un bon bout de temps les arrêter. Allez, go! Eux aussi sont en Lamborghini. On dirait qu'il est même que moi. Pouf! On lui a mis cher. On leur a mis cher. Oh, je l'ai pas vu arriver le civil. Il m'a pas fait peur, mais. Ah bah non! Ah, ils avancent plus. Tiens, toi, mange ton. Qu'est-ce qu'ils font? Allô, messieurs, vous avez un petit souci? What? Mais qu'est-ce qu'il nous fait, lui? Ouais, je sais pas où que tu passais, mais. Le gars un peu trop vicieux. Mais revenez là, messieurs. Revenez ici. Ah, la mine. Je l'ai vu en plus. Oui, il arme des obstacles. Allez, viens. Dommage que j'ai pas pris des barrages. Un petit tour ici, hop là. Ah, il a récupéré de la vie. Voilà, ils sont tous les deux là. Tiens. Bonjour monsieur, collègue. Une question que je me pose. Où est le 3? Ah, il est là. Je savais plus s'il était devant ou derrière. J'avais un doute. Je me dis, est-ce qu'il est devant ou derrière? Ça nous l'indique pas malheureusement, donc faire gaffe. Bon, il nous manque un petit peu de speed point. On va aller faire un collègue devant. Ils s'entretuent. Bon, en même temps, ils ont le droit. Allez, allez, allez. On va se le faire, lui. Allez, go, 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 go. RSPD, stop your vehicle now. Je ne vois rien. Oh, le virage. Boum. Bah voilà. Mais non, mais poussez-vous les collègues. Poussez-vous, voyons. On va rentrer au poste parce qu'on a terminé la speed list. Et d'une. On rentre, eh oui, c'est déjà fait, terminé. C'est vrai que le temps est assez équilibré entre les speedlists. Juste une fois que c'était un peu plus long, mais parce qu'on devait enchaîner pas mal d'épreuves. Et bah, franchement, bonne speedlist, une bonne voiture aussi.
Je la prends en compte. Ouais, la petite Lambo, elle est pas mal. Ah bah tiens, une autre Lamborghini. C'est la. Ouais, c'est la. C'est le gros derrière. C'est la Mercedes la gauche, je crois. Alors, intervention 75 000, hein, une session, super poursuite, interception, deux attaques avec Hers et quatre attaques avec CES. Alors que les Hers, les amis, il faut que j'installe des barrages. Que je fasse ça en mode libre. Faire un drift, 10 secondes. Ouais, ça a l'air d'être assez chaud. Ben, on va aller prendre les Hers. Voilà, on va aller prendre les Hers. Allez, dispositif. Allez, donc il y a plusieurs niveaux. Donc les niveaux font plus de dégâts, forcément. Et on a plus de réserves. Donc, on va faire une super poursuite. Heureusement, c'est que deux attaques avec les Hers. Parce que sinon. Ça aurait été un petit peu chaud chaud. Impitoyable. Aucune excuse. On se tente le difficile? Allez, soyons fous. Et j'ai un problème sur un autre jeu pendant que je vous parle, pendant le chargement. Sur PC, j'ai eu Just Cause 3 sur Steam et il y a quelques petits crashs. Je pense que c'est le jeu qui est mal optimisé. Allez, c'est parti. Cinq pilotes. Ah oui, ça change la donne. Allez, 100 PM. Et bon, ça s'est touché. 13 km, ça promet, les amis. Oh, il y en a qui s'est pris une herse. Ah, bah, moi, je suis pris un véhicule. Le karma. Ne pas regarder derrière soi pendant qu'on conduit, les amis. Je vais crever les pneus, mais du coup, ils vont se regonfler, mais ça va bien le ralentir. Il est devant nous. Regardez. Il avance plus. Boum! Tous en BM. Ils sont dedans aussi, ils aiment bien. Allez, on va larguer une petite herse. Hop, c'est touché. Pas mal les airs, j'aime bien. Je pensais que c'était plus loin déployé. Alors, on avance plus. Allez, messieurs, on avance d'une aire. Et c'est touché, et merci. Ouf, lui, toi, t'auras pas dû te rentrer là-dedans. Toi. Lui, je démonte. Il a esquivé l'herse. Bien joué. Bien joué, Lior. Oh bon, on les arrête tranquillement. Difficile, bizarre. Allez, viens, 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 viens. Touché. Ah, il restait pas grand-chose. Il reste 8 km. Hop. Et bah franchement, ça c'est difficile. Difficile parce qu'il y a beaucoup de voitures, mais le tracé, après tout. C'est tranquille quoi. On avait plus de 14 km et on s'en sort très bien. Ah d'accord, il prend pas trop ses dégâts, apparemment. Ah c'est dur de le choper. Bien alors. Arrête de t'enfuir.
Oh, joli. Excellent, mais magnifique, magnifique. Il n'a même pas commencé, t'es sûr? Est-ce que t'es sûr? Alors, où allons-nous? Ok. C'est un kiff ce petit jeu quand même, hein. Oh là, la petite bosse. Alors, faut faire Midnighter interception. Il faudrait bien rentrer. Épreuve. Interception. Allez, on va faire celle-ci, enfermer la bête. Attention, le petit jump. Allez. Ça se passe bien. On fait des petits sauts, attention. Oh là là. Oh mon Dieu. Non, pas le civil. On n'aime pas les civils. Le jump ou la chute. J'ai cassé ma voiture. Bon, malheureusement, on n'a plus de quoi faire le saut, on n'a plus d'élan. Et t'es où l'interception? Je crois que je l'ai dépassé sans le vouloir. C'est ça, en plus je suis allé trop loin. J'étais un petit peu gourmand. Allez, c'est parti, let's go! Arrêtez le pilote, on a moins de 2 minutes. Allez. Ah d'accord, il est passé par là direct, il s'en fout. Oula, j'ai rebondi sur la grille de sécurité. Alors. Ah! Monsieur, je vous ai envoyé bouler, mais tout va bien. Et c'est qui? C'est lui, hein? C'est lui. Il y a un collègue qui le poursuit. Poussez-vous, monsieur. Mais me rentre pas dedans. Mais ils sont cons. Il est énervé aussi, hein. Ah, j'ai une embuscade. J'ai tenté. J'ai tenté. Alors, moins de 2 minutes. Ça m'a l'air tendu, hein. Je lui ai mis quand même un grand coup sur le côté. On va passer par là. Essayer de le cricher un peu. Où est-il? Où est-il? Il est là, touché. Ah, ce coup-ci, je te lâche pas. Ah ouais. Ah bah nickel. Elle s'est pris les herses. J'attendais que ça. Alors, faut qu'on arrête d'autres pilotes maintenant. Faut qu'on fasse 75 000. On est un peu loin des 75 000. Je propose qu'on arrête quelques pilotes en free roam. C'est la fête des BM aujourd'hui. Parce qu'il faut savoir que les flics aussi, on n'est pas vulnéra- on est invu- comment dire, on est vulnérable aux herses aussi. Hein. Donc. C'était bien pensé de leur part. Ouais. C'est pas évident parce que ils font des esquives. En plus, c'est une klaxonne là. Allez, monsieur, arrêtez-vous là.
C'est vrai que j'ai pas encore croisé de joueurs dans la session, je suis peut-être tout seul sur un serveur solo. Bah voilà. Du coup, il nous faut un autre pilote. Parce qu'on gagne rien en défonçant des pilotes comme ça. Ça risque d'être assez long. Et vous vous en doutez bien. On a que des pilotes de niveau 1. Passer par là, petit coquin. Allez, venez ici, monsieur. Voilà, touché. Il y a un petit souci de conduite, mais tout va bien. Veuillez vous arrêter. J'ai conduit mal, excusez-moi. Je sais pas trop ce qu'il fait. Et qu'il est à ma droite, je vois sur le radar. Non, moi. Je vais le recroiser au-dessus. Est-ce que les routes là se rejoignent? Il est là. Ah, je t'ai envoyé bouler là. C'est le moment. Où est-il? Il est là, tranquillou. Qu'est-ce qu'il fait? Monsieur est perdu. Bah voilà. Bah voilà. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? Parce que là, finalement. Super poursuite. Ah, faites demi-tour. On va faire une autre super poursuite pour récupérer des speed points. Parce que ça va pas. Allez, il faut arrêter 3 pilotes, on gagne que 6 000. Oh, c'est dommage. C'est pas facile, 75 000, ça commence à être long. En plus, on était mort en côte. Ça nous désavantage un petit peu. On devait bien les rattraper. Il y a des pilotes qui sont dans la masse là. Par contre, Hers. Ouais, allez, j'ai dû toucher le random qui fait pas partie de la course. J'ai besoin de renfort, s'il vous plaît. C'est vrai que je leur crève les pneus, histoire qu'ils prennent pas trop d'avance. Wow, j'ai fait du... j'ai fait le flipper. On va passer par là. Et de quoi? Ça n'a pas fonctionné? Ouf, ah, lui il m'a rentré dedans. C'est bien fait pour toi. Ok, on fait un petit barrage. Ah bah il s'est mis KO tout seul. Magnifique, n'est-ce pas? Ah non, j'ai pas perdu de temps. Moi, tu me connais. Eh ben voilà, c'est fait. Franchement, sympathique. Surtout la voiture. Un plaisir à conduire. C'est un plaisir de conduire cette voiture. Ah, si, il y a bien des joueurs, effectivement. Bonjour, monsieur. Lui vient de débuter le jeu, je vais le laisser tranquille. Je vais le laisser tranquille, le random.
On va commencer à chercher la guéguerre, ça fait partie du travail qu'on doit faire. Et ce ne serait que rallonger la vidéo pour pas grand-chose. Alors j'ai vu dans les trophées, oui j'étais renseigné dans les trophées, il y a 60 niveaux de pilote et 60 niveaux de police, donc en tout il y a 120 niveaux. Je sais pas si ça correspond à 120 speedlist, parce que 120 speedlist en deux épisodes ça fait 60 épisodes. Un peu plus, parce qu'il me semble qu'une fois que j'ai vécu une speedlist, voilà. Dès qu'on arrive au truc de fin, j'arrêterai là. Ça vous montrerait, ça sera répétitif. C'est déjà trop répétitif, même. Encore une autre Lamborghini, d'accord. Ceci, ça doit être la Aventador. C'est ça. Deux médailles d'or super poursuite, médaille d'or, trois interceptions, médaille d'or, deux épreuves. J'ai bien intervention parce que c'est plus résistante. Et c'est plus simple, vous voyez ce que je veux dire. Et ben, on se gardera ça pour la prochaine fois. J'espère que cet épisode vous aura plu. Si c'est le cas, ben, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé, à liker si ça vous plaît, et puis à vous abonner si vous souhaitez me soutenir dans ma petite passion, comme j'ai écrit en description, voilà, description qui a changé d'ici une petite semaine, voire plus. Voilà. C'est là juste par passion, je ne cherche pas le Graal comme tout le monde, mais voilà, je suis quelqu'un qui fait random et qui fait... Voilà, c'est une envie, c'est une passion. Voilà. J'espère que ça vous aura plu. Je vous retrouve à très bientôt, je vous souhaite un bon week-end et à la prochaine. Ciao!